Salut à tous, aujourd'hui on va parler du pistol squat. Pistol squat, un mouvement de base du crossfit, un mouvement auquel on a tous été confrontés un jour et certains d'entre vous ont des difficultés dessus. Si vous avez fait les quarts de finale de ces derniers CrossFit Games, vous avez été sûrement confronté sur le test 2 au pistol avec là hélas un gros volume. Donc là ce qu'on va faire c'est je vais vous donner une analyse, en première partie une analyse biomécanique pour que vous compreniez la mécanique du mouvement et puis ensuite vous donner des séances pour que vous travailliez sur ce mouvement. Donc déjà la première chose, le pistol squat, c'est un mouvement qu'on dit unipodal, donc à l'inverse d'un squat classique qui est bipodal, c'est-à-dire qu'on est sur un seul appui, on est appuyé sur un seul membre, une seule jambe. Et du coup, du fait que c'est un mouvement unipodal, la répartition du centre des masses va pas être tout à fait la même que sur un squat classique à deux jambes, d'accord? Donc déjà la première chose qu'on doit retenir sur un pistol, c'est que le polygone de sustentation est réduit de 4 à 5 fois. Donc qu'est-ce que le polygone de sustentation? En fait, ça correspond plus ou moins. Donc si vous êtes sur un squat normal, donc vous avez les deux pieds à peu près largeur d'épaule, le polygone de sustentation, ça correspond à peu près à l'air qui entoure vos deux pieds, ok? Donc ça va créer une espèce de cercle. Et ce cercle-là, c'est ce qu'on appelle le polygone de sustentation. Et vous avez la ligne de gravité, donc c'est-à-dire votre centre de gravité, sa projection qui doit être au milieu de ce polygone de sustentation. Donc si vous êtes sur un squat classique et que vous avez les deux pieds largeur d'épaule, eh bien, votre ligne de gravité, elle va être au centre de ce polygone de sustentation, cercle qui va être formé par vos deux pieds. D'accord? Donc sur un pistol squat, étant donné qu'on est sur un appui unipodal, eh bien, le polygone de sustentation, au lieu d'être ce cercle créé par les deux pieds sur un squat classique bipodal, va être réduit par juste la surface de votre pied. Et sur les pistol squats, vous devez faire en sorte d'avoir votre ligne de gravité qui doit être au milieu de votre pied. Donc lorsque vous exécutez des pistoles, votre ligne de gravité doit être projetée au milieu de votre pied, ça je l'ai déjà dit, et vous devez faire en sorte, lorsque vous exécutez la répétition et que vous faites la flexion sur vos pistoles, faire en sorte d'avoir votre ligne de gravité de votre ceinture pelvienne ainsi que de votre ceinture scapulaire au milieu de votre angle de sustentation qui est votre pied. Donc c'est pour cette raison que lorsque vous exécutez des pistoles, vous ne verrez jamais quelqu'un comme sur un front squat avec le buste droit et les épaules derrière. Et vous allez toujours avoir tendance à vous pencher vers l'avant pour placer votre ceinture scapulaire, vos épaules. Donc si ici, on est ici, on va faire une flexion, donc un pistol. Évidemment, si je garde le buste droit comme sur un front squat, vous allez avoir votre ligne de gravité au niveau du pelvis qui va être derrière et votre ligne de gravité de la ceinture scapulaire qui va être derrière, donc ça va créer un déséquilibre. C'est pour cette raison que lorsqu'on fait des pistol squats, on va avoir tendance à se pencher vers l'avant afin de placer la ligne de gravité de la ceinture scapulaire et de la ceinture pelvienne à la fois au milieu du polygone de sustentation qui est votre pied d'appui, d'accord? Du coup, biomécaniquement, de quoi a-t-on besoin au niveau articulaire et en termes de degré de liberté pour réaliser des pistoles? Donc la première chose, la flexion dorsale ou la dorsiflexion, d'accord, qui correspond à la flexion de la cheville dans ce sens des orteils vers le tibia. Donc là, évidemment, la raison pour laquelle on a besoin de flexion dorsale sur ce mouvement, c'est que déjà sur tous les mouvements de squat, on a besoin d'un certain degré de flexion dorsale, mais particulièrement plus sur le pistol, du fait que justement, on soit obligé d'avancer le pelvis et de placer le pelvis juste au-dessus de du polygone de sustentation qui est notre pied, et bien évidemment, la flexion dorsale va être un peu plus prononcée sur un pistol comparé à un squat. À cause de ça justement, et on va avoir tendance à répartir son poids de corps un peu plus sur l'avant du pied que sur un squat classique. Donc évidemment sur un squat classique, vous avez un polygone de sustentation qui est un peu plus grand, donc vous pouvez avoir votre ligne de gravité un peu plus vers l'arrière. Sur un pistol, vous avez le polygone de sustentation qui est drastiquement réduit, même vers l'arrière, et du coup vous allez devoir avancer plus votre pelvis, ce qui va vous forcer à créer une grosse flexion de genoux, évidemment comme sur un squat profond, mais à accentuer votre flexion dorsale. Donc les tests nécessaires pour savoir si vous avez une flexion dorsale suffisante pour créer des pistoles. Donc vous avez le test de flexion dorsale classique où vous vous mettez face à un mur ou à un poteau de votre rack de votre salle de crossfit et vous allez venir vous mettre accroupi, avancer le genou, pieds nus évidemment, et voir jusqu'où votre genou avance sans décoller le talon. Vous vous mettez face à un poteau, vous essayez de trouver la distance
entre votre pied et le poteau, ou votre genou arrive à toucher le poteau, et vous tracez une ligne, vous mesurez pour avoir à peu près un repère. Et au fur et à mesure des semaines, si vous vous étirez, vous pouvez justement remesurer à chaque fois ce repère, ou vous pouvez tout simplement comparer la différence de flexion dorsale entre vos deux pieds. Moi, ce que j'aime bien utiliser pour tester la flexion dorsale, c'est des tests un peu plus spécifiques au mouvement sportif. Donc moi, ce que j'aurais tendance à faire, c'est à faire à peu près le même test, mais sur un appui unipodal, je vais mettre l'athlète sur une box avec une jambe dans le vide, et il va venir se placer son centre de gravité sur sa jambe, sur la box, accroupi, et avancer le genou le plus possible en gardant le talon collé à la box. La deuxième chose dont vous avez besoin pour réaliser des pistoles, c'est une bonne rotation interne de la hanche. Donc là, je vous montre sur les images. Donc là, on a une haltérophile chinoise au JO de Pékin, je ne me souviens plus trop de son nom. Donc pour tout ce qui est flexion, que ce soit bipodale ou unipodale, du moment où vous cassez la parallèle, vous avez besoin d'une rotation interne de la hanche, c'est-à-dire d'une rotation interne du fémur dans sa cavité. Donc là, par exemple, j'ai pris cette image. On a un squat profond d'une haltérophile avec de gros degrés de liberté, donc on a une grosse flexion dorsale, évidemment, pas de surprise. Mais là, ce qu'on peut voir aussi, c'est surtout, on peut voir son fémur. Donc si vous prenez comme repère son pied et ici sa hanche, on peut voir clairement que si vous prenez ici cet angle, il y a une rotation interne de la hanche afin de pouvoir descendre et réaliser la flexion de hanche complète. Donc pour illustrer ça avec mon petit squelette, donc par exemple, si je vais faire une flexion en chaîne fermée, d'accord, donc en chaîne fermée, c'est-à-dire avec le pied fixe, donc si je viens monter ici, ici, vu que j'ai ma hanche qui est vissée, j'ai un blocage mécanique, et le seul moyen de continuer la flexion, c'est de faire une rotation interne, donc de bouger le pied. Et souvent, on voit dans les salles de crossfit beaucoup de gens faire cet étirement, mais en réalité, ce n'est pas forcément un facteur limitant sur les squats profonds. Donc si je fais la même chose en enlevant la vis, je vais venir enlever ici. Donc si je fais la même chose en chaîne fermée, j'arrive ici, normalement j'ai mon blocage mécanique. Afin de continuer la flexion de hanche et de garder le pied au même endroit, je vais avoir une petite rotation là, une légère rotation du fémur, afin de garder mon pied au même endroit, sans qu'il y ait besoin de faire une rotation interne. Pour continuer ma flexion de hanche, je vais avoir une légère rotation du fémur dans sa cavité, de rotation interne du fémur dans sa cavité. Ok. Donc, la rotation de hanche, les tests afin de voir si vous avez la rotation de hanche nécessaire pour réaliser des pistoles. Donc, ça m'est déjà arrivé moi personnellement d'avoir des athlètes qui n'arrivaient pas à faire des pistoles en flexion complète, avaient une bonne flexion dorsale, mais qui n'arrivaient pas à faire les pistoles justement parce qu'ils étaient limités sur cette rotation interne de hanche. Cette rotation interne de hanche, si vous avez des mauvais degrés de liberté, vous avez une mauvaise rotation interne de hanche, vous pouvez compenser sur des squats classiques bipodaux avec un valgus du genou ou un écrasement de la cheville ou une répartition du poids sur la face externe du pied. Souvent on voit ça chez les débutants. Ou souvent on voit aussi des débutants ouvrir un peu trop leurs pieds, etc. Donc il y a des compensations possibles sur des squats classiques. Évidemment, ce n'est pas recommandé. Mais sur un pistol, vous ne pouvez pas du tout compenser. Donc si vous n'avez pas la rotation interne de hanche nécessaire, vous ne pourrez pas réaliser des pistol squats. Donc un des tests à réaliser pour voir si vous avez une rotation interne de hanche nécessaire pour réaliser des pistoles ou des squats profonds de bonne qualité, vous avez soit le test au rouleau, vous allez venir vous asseoir, bloquer un rouleau entre vos deux genoux et tourner le pied vers l'extérieur le plus possible en restant à 90 degrés, ou alors vous placez en shin box assis au sol et levez le pied arrière le plus haut possible et voir à peu près quels sont les degrés de rotation interne de la hanche. Ensuite, autre chose nécessaire pour réaliser vos pistoles, évidemment, c'est votre flexion de hanche, donc pendant sur la jambe qui ne travaille pas. Donc évidemment, ça, c'est un peu moins facteur limitant, un peu moins commun, mais vous avez besoin quand même d'être capable d'avoir une chaîne postérieure assez mobile pour pouvoir réaliser cette flexion de hanche. Souvent, lorsqu'on réalise des pistoles, on a une rétroversion du bassin qui est due à cette flexion de hanche-là. Pour avoir les degrés de liberté nécessaires, que ce soit sur votre flexion dorsale ou sur votre rotation interne de la hanche, évidemment, souvent, les degrés de liberté qui vous limitent sont dus à ce qu'on appelle le réflexe d'inhibition réciproque. C'est-à-dire que pour réaliser un mouvement articulaire, afin d'avoir la souplesse, souvent, lorsqu'on a des muscles antagonistes trop faibles, on a une inhibition des muscles agonistes, ce qui empêche
justement d'avoir les degrés de liberté sur certains mouvements. Donc je m'explique. Par exemple, je prends ma jambe ici, sur la flexion dorsale, d'accord ? Donc les muscles responsables de la flexion dorsale, ou on va dire plutôt les muscles qui peuvent empêcher la flexion dorsale, on a surtout le solaire. Donc c'est un muscle ici qui est responsable de la flexion plantaire, surtout quand on a le genou plié. Donc quand on a le genou tendu, la jambe tendue, c'est plutôt les gastrocnémiens. Et lorsqu'on a la jambe pliée, c'est le solaire, d'accord, qui est en dessous. Donc évidemment, si on a un solaire raide, ça peut être dû à un réflexe d'inhibition d'une faiblesse du tibial antérieur. Donc le tibial antérieur, lui, est responsable lorsqu'il se contracte de la flexion dorsale. Si vous avez un tibial antérieur faible, vous allez avoir un réflexe d'inhibition du solaire qui va se contracter lorsque vous allez faire vos flexions dorsales. Et c'est là que vous allez à l'os. Souvent dans les salles de crossfit, on a tendance à penser que la flexion dorsale est souvent limitée par le glissement du talus et on voit souvent des gens s'étirer avec se mettant accroupi, en avançant le genou et en mettant un élastique qui tire vers l'arrière. Mais j'ai rarement vu moi personnellement en tant que coach des gens gagner en flexion dorsale avec ce type d'étirement. Le meilleur conseil que je peux donner, c'est des isométries en fin d'amplitude sur de la flexion dorsale. Donc par exemple, vous placez un élastique sur le rack, vous l'attachez à la pointe de votre pied et vous faites des flexions plantaires avec des isométries, des exercices d'isométrie en fin d'amplitude sur la flexion plantaire. Et aussi, vous pouvez faire du travail de tissu sur le solaire, sur le tendon d'Achille avec de l'automassage. Les isométries et l'excentrique sur les muscles responsables de la flexion plantaire, c'est à mon sens les moyens les plus efficaces de gagner en flexion dorsale et aussi évidemment faire le mouvement sportif de manière contrôlée afin de créer du contrôle moteur, du contrôle nerveux. Ensuite, pour ce qui est de la rotation interne de hanche, donc même chose, ça peut être dû à un réflexe d'inhibition réciproque, dû à une faiblesse des muscles rotateurs internes de la hanche. Donc souvent, on pense souvent avec en salle de crossfit, et c'est assez connu, on a tendance à renforcer ces rotateurs externes de la hanche avec des exercices tels que les RNT split squat, et plein d'autres exercices de renforcement qui vont viser à renforcer les muscles rotateurs externes de la hanche où on a tendance aussi à les étirer. Mais on oublie souvent de renforcer les rotateurs internes de la hanche et ils sont souvent... Donc les athlètes qui sont limités en mobilité de hanche ont des faiblesses au niveau de ces rotateurs internes de hanche ou en tout cas un manque de contrôle moteur plutôt et de contrôle nerveux sur ces muscles-là, ce qui limite leur degré d'amplitude sur les rotations, sur la rotation interne de la hanche et crée des blocages et empêche de faire des squats profonds de bonne qualité et des pistoles évidemment, c'est le sujet de la vidéo. Du coup, les muscles responsables de la rotation interne de la hanche, on a l'obturateur interne, le moyen fessier et le grand fessier, c'est les principaux. Donc même principe que pour la flexion dorsale, ce qui va permettre de mieux gagner en degré de liberté, ça va être des isométries en fin d'amplitude de manière unilatérale. Donc ça peut être donc tout simplement l'exercice que vous réalisez pour tester votre degré de rotation interne de la hanche, assis, un rouleau entre les deux genoux, je fais une rotation interne de la hanche, je pousse mon pied le plus loin possible vers l'extérieur, je fais des isométries 5 à 10 secondes, j'essaie d'accumuler environ 30 secondes par série d'isométrie, des renforcements à l'élastique, des rotations contrôlées, etc. Donc, et évidemment, exécution du mouvement sportif de manière contrôlée afin de créer du contrôle moteur et du contrôle nerveux, du système nerveux sur cette zone et sur ces muscles, dans ces degrés de, là dans ces degrés de liberté-là articulaire. Ensuite, maintenant, on va en venir à l'aspect énergétique. Donc les pistoles, souvent, c'est un mouvement qui nécessite de l'endurance, de vitesse-force. Du fait que donc c'est pas vraiment de l'endurance de vitesse puisque vous êtes la contrainte mécanique est plus élevée que sur des squats au poids de corps vu que vous êtes sur des squats unipodo et la contrainte mécanique sur votre jambe qui travaille est un peu plus importante. Donc je dirais que c'est plus de l'endurance de vitesse force et le volume minimal fonctionnel est entre 90 et 100 reps. Donc sur le test 2 des quarts de finale, on avait environ 180 reps si vous alliez au bout. Pour la plupart des gens, pour une moitié, on va dire, des personnes qui ont fait le WOD, c'était plus de l'ordre du 120 à 150 reps. Mais en tout cas, vous devez être capable d'encaisser sur une séance d'entraînement classique
à peu près 100 reps ou même sur un WOD à peu près 100 répétitions et être capable de récupérer assez bien le lendemain, les jours suivants. Et ensuite, évidemment, réussir à augmenter la densité et la vitesse d'exécution de ce volume fonctionnel. D'accord ? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner des séances types, que vous soyez débutant, intermédiaire ou à un niveau avancé, pour que vous soyez meilleur au pistol en Metcon. Donc, une séance pour un sujet débutant ou intermédiaire. Donc, on va faire d'abord, dans un premier temps, trois séries de rotation interne de la hanche en lift-off avec 5 secondes d'isométrie à chaque répétition. Et ensuite, 4 ankle lift-off. Donc, même chose, isométrie en fin d'amplitude sur de la flexion plantaire, sur de la flexion dorsale, pardon. Et renforcement, évidemment, du tibial antérieur. Et suivi ensuite de 3 supersets avec 6 à 12 pistoles par jambe surélevées sur une box avec la jambe qui ne travaille pas dans le vide. Donc plus vous élevez la jambe qui ne travaille pas dans le vide, plus vous êtes proche du mouvement sportif et plus la difficulté est grande. Et au fur et à mesure des semaines, augmenter la difficulté, soit réduire la taille de la box ou de l'appui sur lequel vous êtes, soit monter la jambe de plus en plus haut. Enchaîner avec 6 à 12 front rack Bulgarian Speed Squat. Donc là, le but des Bulgarian Speed Squat, c'est évidemment travailler sur l'équilibre unipodal et augmenter la force maximale sur cette unipodale et l'endurance de force. Une séance pour un sujet avancé, donc un énorme 8 à 10 minutes avec une progression de semaine en semaine, des répétitions. 8 à 10 gobelets pistoles en alternant évidemment. Donc choisir la charge de manière à pouvoir se concentrer sur la qualité du mouvement et évidemment augmenter soit l'intensité, soit le volume, soit les deux de semaine en semaine. D'accord ? Suivi de 3 séries. 20 mètres duck walk avec sled, donc en sled drag, donc marche du canard avec un sled chargé, en tirant un sled chargé afin de créer une pré-fatigue, enchaîné avec 16 pistoles le plus rapide possible. Donc le but du sled drag en sled drag, c'est de créer une fatigue locale afin de faire les pistoles avec une fatigue musculaire locale et de recréer, afin de recréer la fatigue que vous allez sentir pendant l'effort spécifique, pendant que vous allez faire un Metcon ou comme vous avez senti sur le test 2. Donc ça, vous pouvez ajouter une variabilité, c'est que vous, déjà, premièrement, vous pouvez augmenter soit le nombre de pistoles, soit la charge sur le duck walk de semaine en semaine. Mais vous pouvez aussi varier en fonction de avec quelle combinaison vous avez le plus de mal sur les pistoles. Est-ce que c'est lorsque vous êtes très essoufflé? Est-ce que c'est combiné avec des exercices de flexion de hanche comme on avait les GHD sit-up? Est-ce que c'est juste le volume de pistoles lorsque vous avez de la fatigue locale ou vous avez du mal à enchaîner à partir d'un certain nombre de reps? Donc à vous de voir quel aspect vous avez besoin de plus travailler. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. À la prochaine.